Salut tout le monde, ouais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo comment dire filmée de cette manière. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de vlog. Bah depuis Paris je pense. Et aujourd'hui on se retrouve pour le North Summer Festival NSF. Ça va être super lourd, j'y vais accompagné de mon poteau, mon meilleur ami Xavier, donc ça va être super cool. Là on va partir en blabla car je vais pas vous filmer le trajet, ça sert à rien. Je vous montrerai directement quand on arrive à côté du stade. J'espère que ça va être lourd, il y aura Martin Garrix, Kingland, je sais même pas comment il s'appelle, et puis Justin Bieber, enfin voilà, on vient seulement pour Justin et Martin Garrix quand même, on va pas se mentir. Donc je vous retrouve tout de suite au stade et j'espère tous vous rencontrer, ça fait vraiment un énorme plaisir. Allez, à tout de suite. Ah ouais, non, ça fait qu'il faisait ça alors que je suis. Et s'isoler, franchement, il ne capte pas. Hein. Quand il arrive vers nous, je suis pas trop sûr. Il y a Justin qui vient, je suis pas trop sûr. Oh là là, les beaux gosses en arrivée. Mais toi, 2000 personnes, on va nous donner une histoire. L'équipe.
feeling lonely, and I want to make this time to end the right. Fading into slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. Feels amplified. Stay into the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you. Put out that torch. Hey!
Donc nous revoilà à la fin du vlog. Donc là je filme le lendemain en fait du concert. Donc déjà je tenais à m'excuser tout particulièrement pour tous ceux que j'ai rencontrés, que j'ai pu louper et tout, parce qu'en fait j'ai une raison toute bête et c'est vraiment très très mal tombé. Mais malheureusement à la veille du concert je suis tombé malade et du coup bah, j'étais carrément pas bien la journée du concert. Donc j'ai pu paraître très désagréable, même très très con pour certains. Il y en a, ils me parlaient, je calculais vraiment pas, j'étais vraiment au bord du malaise sincèrement. Donc ça a été très très compliqué de tenir et j'ai tenu malgré tout. Toutes les images m'appartiennent. Il y a des images de Xavier aussi qui a filmé avec son iPhone, donc c'est les plans, les derniers plans avant celui-ci. Sinon bon, on a eu des grosses galères hein, comme d'habitude. De toute façon on est habitué aux galères, à chaque fois qu'on sort il arrive un truc, et là ça fait le deuxième concert qu'on passe ensemble et il y a des galères. C'est la faute à personne hein. Au contraire les gens ont voulu nous aider et tout, mais après voilà, on a décidé de prendre notre envol, on va dire. Ça a été très très compliqué après le concert et tout, étant donné que j'étais encore mal et tout, et qu'on, du coup à la dernière minute on savait pas trop où on allait dormir, si on allait dormir dehors et tout. Donc merci encore à Xavier, c'est ce que c'est grâce à lui qu'on n'a pas dormi dehors. Voilà, on a pris un petit hôtel vite fait avec le Uber, et voilà, c'était plutôt cool. Et puis bon, bah, voilà, c'était un super concert, vraiment magnifique. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'aurais préféré les rencontrer avec un meilleur accueil, parce que moi je suis vraiment dans le délire, je suis un peu foufou, je m'en fous un petit peu, donc c'est bête que vous m'ayez pas vu dans cet état là et puis joyeux quoi, parce que là j'étais vraiment dans le mal, c'est le cas de le dire. Voilà, ça faisait vraiment plaisir de tous vous voir, enfin du moins tous ceux que j'ai pu voir, je les ai vus, voilà. Et au prochain concert, ou si je vais quelque part et qu'on peut se rencontrer, il n'y a aucun problème, vous me le dites, on fait une petite photo, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que vous allez me comprendre et que ça ne vous aura pas dérangé plus que ça. Vous voyez là, je suis carrément amaigri de ouf. Il y a même voilà, Shannon, sa mère et tout, et puis d'autres personnes qui m'ont trouvé très très amaigri et tout. Vous voyez, ça... comment dire, c'est la faute à pas de chance, on va dire, parce que j'ai pas forcément le temps de manger ni quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je rentre chez moi, je dors en gros, je pense pas à manger, et le lendemain dès que je me réveille limite je pars déjà en vadrouille. Donc c'est vrai que je pense pas forcément à manger, c'était mon erreur en tout cas, et du coup ça m'a rendu très 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 malade. Après j'étais vraiment fier de vous tous, parce que moi sincèrement je vais pas vous mentir, j'ai vraiment eu peur et j'ai vraiment stressé par rapport aux attentats. Je sais pas, j'ai eu le fait de me retrouver dans un festival et puis de voir tout ce qui se passe depuis 3-4 ans maintenant. Bah c'est vrai que ça fait un peu peur, moi perso j'ai eu super peur et j'ai voulu y aller pour montrer que voilà, l'amour est plus fort que la haine. Et voilà, faut pas s'arrêter de vivre, parce que sinon si on pense à ça, bah on ferait plus rien et ça serait très très malheureux. Donc je suis très très fier de tous ceux qui sont venus regarder ce festival et qui ont vraiment explosé de bonheur dans ce festival tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu, voilà, je suis encore vraiment désolé. Pour ceux que j'ai raté, ce sera pour une prochaine fois, il n'y a aucun souci. Et bah, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais avoir deux t-shirts à vous présenter. Allez, peace mes warriors.